Fernando pas seulement c'est monde qui était dans l'arrière chercher l'autre donc pour qui ça ne pas mettre accent sur ces monde. Est-ce que l'arrière c'est place, est-ce que l'arrière c'est côté priorité, me pas quoi ça non quel pays dans monde là me pas quel monde a dit me place ces monde c'est dans l'arrière pour lui. C'est assez grave de toute société. Avenir PAM, avenir POU. Mesdames, Messieurs, internautes Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt et surtout attachement avec chaîne. Jeudi, encore une autre fois, c'est avec un pile plaisir, comme d'habitude d'ailleurs, que m'entrer la carrière pour me porter pour un nouvel épisode. Dans l'épisode de jeudi, on va avoir une chance pour nous parler de Timounio, Timoun Lario. Donc, pour nous parler de Timoun Lario, nous avons reçu un petit garçon qui a fait un travail qui est vraiment remarquable dans la société. Un jeune qui a été pour mission pour qu'il soit capable de voir sans voir. J'en ai toujours dit l'emprise de position. Donc, avec le jeudi, nous avons parlé de comment que lui fait pour qu'il soit retiré de ces Timoun qui sont dans la rue, pour qu'il soit mené en famille, ou du moins, c'est une jeune façon pour retirer côté de pour qu'il soit la vie mieux. Même si nous sommes sur la chaîne, nous sommes abonnés à la et cliquez sur la clochette notification pour arrêter aucune nouvelle publication. Émission ça tout va d'abriver possible jeudi sans Sébastien Petit avec toute équipe technique Entretien 2000. Alors mesdames, messieurs, ensemble nous allons recevoir ce jeune qui fait un travail vraiment remarquable dans la société. Donc tout de suite après la pause. Pour interroger avec chaîne, donc j'aime dire la repose là, mais on a recevoir aujourd'hui. Donc, un poteau et garçon, un jeune qui a fait un travail social dans le pays, et un jeune qui a fait un travail que un pile monde juge qui est assez intéressant. Savio estimé Miriam, bonsoir et bienvenue sur la grande entretien de Bill. Bonsoir, Semi, tout plaisir, c'est pour moi-même, pour moi ensemble avec aujourd'hui. Et puis pour moi présenter ensemble avec fan entretien de Bill, bien sûr, puis le monde d'entretien de Bill qui compte visage déjà et surtout. Bon, je vais te dire ça. Voilà, donc Savio estime Miriamo. Donc, c'est petit Kaila. Donc, à un moment donné, Savio estime Miriamo. Tu fais partie de l'équipe Entretien 2001. Donc, je disais que pour nous recevoir, je viens de dire l'introduction d'ailleurs, pour nous parler de Savio Haïti, de projet li. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas eu Savio. Il n'a pas eu quelques temps, quand il s'est passé. Donc, dis-nous tous les détails par contre de Savio. Il était présentateur, il y a des détails qui sont cachés, mais là, c'est Savio Haïti. Donc, tu présentes toute intégralité à l'interruption. Bon, j'en sais, mais ce que je dis là, non pas c'est Savio, Myriam Estimé, moi c'est journaliste dans Savio Haïti, et exactement, moi c'est reporter principal Savio Haïti. Et qui ça encore capable de dire moi, moi c'est un monde qui est cool, moi très très sympa, et ça moi même en pile comme vertu, c'est surtout humilité. Voilà, donc il y a un monde qui est très humble, qui est avec nous sur le plateau, et ça qui fait le pas dire c'est. Le grand Savio Haïti, il dit c'est un reporter Savio Haïti. Donc, on a parlé de Savio Haïti. Donc, on dit que vous étudiez journalisme, mais actuellement là, donc on fait une étude dans l'université de l'État. Donc, c'est dans qui branche qui intéresse au côté dans l'université de l'État. Oui, moi, effectivement, moi, bon, oublié de ça, moi, j'ai étudié dans l'université de l'État d'Haïti, moi, j'ai étudié dans l'URSS. Voilà, okay. Donc Savio, c'est un futur politicien, bien politologue, dans le pays, parce que nous avons étudié sciences politiques. Donc, Savio, donc, ça c'est parti étude là. Mais nous, tout le monde a connu Savio Haïti, et vous connaissez Savio Haïti, vous connaissez Savio. Mais par contre, tu as statut Savio. Est-ce que Savio, on est qui marié, on est qui fiancé, on est qui célibataire engagé, comment ça y fait? Bon, bien avant, moi, aller sur ça, et peut-être, nous sommes dit, moi, c'est.
Moi, c'est étudiant dans l'IRISS, mais je ne peux pas préciser effectivement qui ça m'a étudié dans l'IRISS. Dans l'IRISS, qui ça m'a étudié? Moi, j'ai étudié gouvernance et action publique. Moi, j'ai étudié l'IRISS, qui est une branche dans sciences politiques. Son étude qui permet de comprendre qui j'ai un gouvernement fonctionné et qui j'ai action publique là immobilisée dans le pays. Ok, bon, pas dans le pays seulement, dans quelque soit société. Okay. Vu que je vis à Haïti, donc je me dis. Spécifique avec Haïti. Oui, pour statut social, ça veut dire que nous ne sommes pas fiancés, nous ne sommes pas mariés, nous juste à vivre. Nous sommes juste célibataires engagés. Non, du célibataire engagé, plus on dit exactement. Bon, l'Iblé, ça veut dire à vous, donc souvent qu'on nous donne peut-être tout pas ça. Ou bien ça tout. Bon, je ne comprends pas, je ne peux pas répondre à tout ça. Voilà, donc sinon, que vous dites son nègre qui vit avec maman, la papa, donc en famille, tout ça. Oui, moi, je vis en famille, ensemble avec tonton, ma tante, moi, maman, tout. Effectivement, je dis là. Voilà, donc je suis intéressé à ce qu'on est connaître de vous-même. Donc là, c'est le moment que peut-être tu as parlé de Savio Haïti qui a fait un travail européen. Mais avant de Savio Haïti, on ouais et travail qui est fait avant Savio Haïti. Un travail qui permet de nous découvrir un jeune qui a un pile talent qui est dans la rue. On m'a parlé là de Fernando et non complet assez. Fernando Major. Fernando Major, un jeune qui est venu viral sur les réseaux. En plus, nous avons l'histoire Fernando, mais nous ne connaissons pas qui est-ce qui prend Fernando, qui tire le côté de l'air dans l'ombre, qui met le devant le projecteur. Donc, comment nous rencontrer avec Fernando Savio avant que nous prenions Savio Haïti qui a fait un travail qui est vraiment opéré avec lui. C'est mon frère, si peut-être un mot qui décrit ça, c'est surtout inouï. Ce bail qui est extraordinaire, contre moi, avec Fernando. Et si moi j'essaie de rappeler exactement, j'étais dans Abed, j'ai travaillé dans Abed comme journaliste, reporter. J'ai travaillé dans Abed et puis un jour, nous avons choisi comme sujet pour nous travailler, qui c'est sujet exactement qui gentil mon dans la rue a fait pour manger parce que dans un moment on a un problème de gaz dans le pays. Bah il était bien cher que ce soit produit alimentaire tout ça. Donc nous avons posé cette question qui gentil mon dans la rue a fait pour manger. Et puis effectivement, nous prenons l'arrière, nous allons travailler sur ce sujet. Ça ce qui est étonnant, c'est que là, nous prenons l'arrière pour nous travailler sur ce sujet. Ça c'est pas comme si nous-mêmes qui allons chercher Fernando, mais c'est le référence lui-même qui vient nous joindre. Fernando marche sur nous, il dit monsieur, c'est moi qui vais chercher. Je suis avec un autre collègue, je suis ensemble avec un autre collègue qui c'est Bernardo Laguerre. Fernando vient sur nous, il dit monsieur, c'est moi qui vais chercher. Pendant nous avons rangé matériel, nous avons retiré matériel, nous avons dehors, nous avons matériel. Il dit c'est moi qui vais chercher, monsieur. Je me garder monsieur. Moi, tout le monde parle beaucoup, j'aime ça. J'aime tellement. Avec comme si. J'en arrivé sous nous. Façon que lui a parlé avec confiance, il dégage dans lui-même pour dire c'est lui-même qui cherche. Comme si il connaît, c'est lui-même qui cherche. Même. Ok, simplement. Arrêtez, moi, regardez les vieux Bernard de parler avec. Bernard dit oui, c'est lui-même qui cherche. Vous voulez parler avec nous? Et puis, effectivement, comme ça, je me dis ok, on a le chita là. On parle. Et puis, tout ça fait. Mais ça qui surtout attire attention. Dans l'histoire de Fernando, c'est comme si monsieur, qui j'aime capable de dire ça, monsieur, son comédien, son personnalité publique dans l'âme. Okay. C'est pas un monde comme si ou qui prend formation pour le ceci, pour le cela, d'ailleurs, son petit monde. Et puis, le regarder façon de chita devant caméra, façon de lier à l'aise ensemble avec caméra, ça lui a dit tout qui j'ai arrivé sous l'âme. Non? Donc, son comédien, son personnalité publique dans l'âme. Donc, c'est une la kaili façon pour que les vannes tête les sont gardées comme ça, façon pour les défendre ça quoi? Ils sont capables de dire ça comme ça, ça oui, effectivement. Voilà, donc histoire avec Fernando, peut-être qu'il était fini brusquement, donc nous ne pouvons pas comment ça y est. Donc, un peu le monde dit que c'est vous qui te permet Fernando de sortir dans la rue, hein, via interview, tu es balé une fois. Donc, et ça va camper là, sans doute, parce que c'est un peu l'autre jeune et interview. Mais comment ça y est avec Fernando Cunha? Donc, Fernando toujours dans le cas avec famille qui joue, mais c'est capable de dire ça, qui a éduqué lui. Hein. Oui, effectivement, Fernando a vécu ensemble avec Abed, JL Universe, ou bien Abed Nego Jean-Louis. Ok, mais tout un peu le monde connaît son nom Abed JL Universe. Ils vont vivre ensemble, campérin. Ok. Ok, Fernando à l'école. Et sous ça, ben, Dim, il a bien travaillé à l'école. Même si dernièrement, moi, il n'a pas très bon ensemble avec Attaque. Mais quand même, volonté là pour y avancer. On est si mon trois, toujours des autres, tout ça. Mais ça qui est sûr et internet, je le connais, c'est que moi-même, ensemble avec Fernando, par rapport avec Abed, nous avons une nouvelle. On connaît qui j'ai lié tout ça. Ok, voilà. Donc après Fernando et
Vous venez mettre une structure sur place qui est les Savio Haïti, une structure que vous êtes capable de voir sur tout réseau de côté que on fait interview avec jeunes qui dans la rue, jeunes qui avec exercé son métier dans la rue, par exemple nous interviewé avec un chien, interviewé fait avec une demoiselle qui compte chanter, me quoi les Francisca qui est très virale sur réseau, avec un pile d'autres jeunes tout peut-être qui pas viral mais avec Fernando Francisca qui est plus viral. Donc qui constate qu'il faut venir avec Savio Haïti? Constat qui fait me venir ensemble avec Savio Haïti, c'est surtout une réflexion que j'ai fait et me partager sur page Savio Haïti. En pile fois, nous toujours dit si monde aujourd'hui, grand monde demain. Mais est-ce que nous j'aime poser tête nos questions si nous pas voyager nous garder petit monde qui dans la rue qui j'ai des grand monde qui capable sortir demain. Et même pour me retourner encore sur l'histoire Fernando, le regarder comme si on petit monde tant que Fernando était dans la rue. Hein? C'est par rapport avec le reportage là nous fait ensemble avec nous fait nous découvrir talent ça qui fait nous découvrir diamant ça qui était dans la boue. OK, donc nous dit est-ce qu'il pas gagne l'autre toujours. OK, fait déjà si peut-être on constate en pile internet café Fernando passe le grand Simon qui était dans l'arrière chercher l'autre. Donc pour qui ça ne pas mettre accent sur Simon, est-ce que l'arrière c'est place, est-ce que l'arrière c'est côté priorité, me pas quoi ça non qu'un pays dans monde là pas qu'un monde a dit me place Simon c'est dans l'arrière pour lui. Voilà. Donc c'est ça, donc nous disons, nous mettons l'accent sur ces gens dans l'arrière, nous faisons passer voir et c'est là que nous proposons tête nous comme voix sans voix. Parce que nous considérons ces gens comme des sans voix. OK, nous faisons passer voir et puis nous cherchons famille, les gens qui veulent aider pour aider et puis et ça monde monde nous pas qu'à joindre famille pour eux, nous dégager nous voyons l'école et puis contacter l'autre structure qui est capable d'aider pour aider. Voilà. Mais en plus, nous avons Savio Haïti. Question à poser peut-être, qui est Savio Haïti? Est-ce que Savio Haïti c'est une organisation? Est-ce que Savio Haïti c'est un média? Est-ce que Savio Haïti c'est un orphelinat? Donc, occasion pour dire, internaute entretien des milieux avec mon cap suivre nous là. Donc, qui est Savio Haïti comme structure? Qui est non capable de gagner? Bon, si je ne suis pas capable de dire sur ça, c'est que jusque-là, Savio Haïti est enregistré comme un nom commercial. Il est enregistré comme un nom commercial et il est enregistré sous nom. Comme un nom commercial. Même si Savio Haïti, ce n'est pas seulement moi-même qui est dans l'équipe Savio Haïti. Ok, il y a Bernardo Laguerre qui est caméraman et qui est monteur de Savio Haïti. Il y a Fricheline de Rameau, ok, qui est lui-même qui est responsable promotion dans Savio Haïti. Il y a Daniel Jean-Louis, c'est lui-même qui édite une vidéo, c'est lui-même qui met en ligne tout ça. Et puis il y a encore Isabella Savary qui est là comme conseillère. Dans Savio Haïti. Donc, qui ça Savio Haïti? C'est surtout Savio Haïti, je suis capable de dire le résumé pour ça, c'est voix sans voix. Okay. Savio Haïti, voix sans voix. Donc, peut-être ça, c'est slogan nous, si je suis capable de comprendre. Ça fait pratiquement deux ou trois fois que dit nous Savio Haïti, c'est voix sans voix. Mais Savio Haïti, donc, bon, on me dit Savio Haïti de manière générale. Comment nous mettons et projeter nos jeunes dans la rue? Si son jeune n'a pas suivi, et tout le monde son jeune, tel dit nous, t'as bon pour nous. Alors tel jeune dans des histoires ou du moins pour dans marché par exemple tomber sur un jeune, comment ça arrive que nous fait interview avec un jeune dans la rue en Savio? C'est mes frères des fois des ça question ça long si j'ai les réponses multiples dans quel sens, parce que il y a la fois tout et tant pour Francesca par exemple. Francesca c'est pendant moi passé sous chaîne Mars et puis Francesca relève me demande pour moi parler ensemble avec lui par rapport avec une interview, il était ouais, nous t'ai fait ensemble avec Fernando. Il est même pour parler avec elle pour être capable de jouer une chasse par le toit. Donc ça, c'est pas un bagage que nous t'as cherché fait. C'est de préférence lui-même qui est nous. Pour parler avec nous. Oui, voilà. Mais comme ça tout, des fois c'est nous-mêmes qui prenons l'arrière qui allons chercher ces monde pour nous parler. Ok. Mais qui genre démarche là? Démarche là, c'est qui ça? C'est non parler ensemble avec ces monde, diagnostiquer problème, faire problème dans les autres. Chaque gars de ces monde, il y a un problème particulier qui va vivre dans l'arrière. Ok. C'est ces monde là. Ça a son problème général parce que chaque petit monde dans la rue, ok. Mais chaque petit monde qui est dans la rue, c'est son cas particulier. Et chaque yo, péripétie, pas où il a passé dans la rue. Donc c'est diagnostiquer péripétie de chaque petit monde. Et puis, dans le même diagnostic, ça a fait des péripéties, ça a comme si une proposition de solution. Si le monde dans lui-même lui propose, mais ça a été fait pour lui tout ça. Et puis, nous analysons les propositions de solution. Ça oui, par rapport avec tout le monde qui voulait aider, tout ça. Et puis, nous répondons ensemble avec besoin ça. Et puis en même temps, nous faisons des préventions. Okay? Comme il y a un monde qui n'a pas d'études scientifiques, là, ou ça dit que c'est étudiant à l'IRISS, donc, comme si démarche Savio Haïti, comme si il passait tout
nos démarches scientifiques côté nous diagnostiquer j'aime surtout là nous résoudre et puis nous faire des préventions. Voilà, donc j'en dis là c'est identifier le problème et puis chercher résoudre et puis proposer l'autre solution et puis faire prévention pour problème si là. Mais là nous quand nous approchons dans la rue nous jeune monde qui dit que prêt pour héberger ou du moins pour prendre pour responsabilité. Est-ce que là, ça n'a pas demandé une démarche pour une institution étatique, par exemple, IBES, Matrobel, qui est là pour gérer les relations Timoun, ça y est, Timoun qui va adopter, Timoun qui va vivre avec famille, avec maman ou bien papa biologique? Comment on fait ça? Oui. Pour faire l'endo, Abed gérer tout le bagage pour faire l'endo. En après, pour quand Timoun nous a pris le Davidson, Madame Mamina, ensemble avec moi, nous gérer ça. Et puis pour Francesca, Francesca lui-même c'est pas adopté ou adopté. Ok, Francesca c'est pas adopté ou adopté, c'est Kai nous arrivé enfermé pour Francesca. Ok? Francesca est plutôt majeur ou bien toujours mineur? Francesca majeur. Il majeur, ok. Donc, les nous joignent quand ils nous enfermé Kai comme ça. Est-ce que c'est l'argent de poche qui servit à être économisé ou du moins nous gagnons un fan club, un ensemble de monde qui a cotisé pour mettre encore de côté les jeunes? Le monde a eu une sans voix pour nous faire voir le passé. Donc, pour nous arriver, jouer un moyen pour nous faire, mais pour nous bien assister. Quand ils font ça, vous sortez? Oh, malheureusement, c'est mis. Ça joue à Haïti. Ça joue à Haïti pour qu'on fonde, parle comme si pour le taf. Quand c'est ça que nous-mêmes, nous avons fait comme travail. Pour qu'on ne pas qu'on fonde pour nous faire ça. Déjà, en plus, le monde est capable de remarquer ça. Ça joue à Haïti sur monter sous page New York. Nous avons fonctionné. Ben, m'a dit, nous prenons naissance depuis 23 décembre exactement. Ok? Elle a dit, ça fait. Très jeune, on a vu 4 mois? Oui, ça peut aller 4 mois. Ça va aller 4 mois. Mais pour me citer Corneille, dans le site, nous sommes jeunes, il est vrai, mais aux Ambiennes, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ouais. Ok? Par rapport avec l'objectif, nous dégager notre travail pour nous avancer. Pour me retourner sur la question fonds, oui, c'est mieux. Démarche, c'est qui s'allie pour causer fonds. Vous connaissez, étant donné que nous sommes restrictés, qu'il n'y a pas peine partout, donc il y a une question de crédibilité que nous n'avons pas assez. Et pour résoudre pour question de crédibilité, ça, et puis pour éviter tout, ça va être des, comme si des fausses accusations, des rumeurs qui ont couru sur lui, qui ça nous fait. Immédiatement, si nous voulons aider dans ce monde, nous mettons en contact directement avec ce monde. En fait, si nous ne parlons ensemble avec vous, ok, t'as pour Francesca, on t'a fait Francesca parler ensemble avec tout le monde qui t'a voulu aider, il parle ensemble avec eux, et puis lui même qui bat en compte pour aider. Ok, c'est pas nous mêmes qui t'a pris ni cop pour lui, ni bail pour lui, nous t'a simplement servi un intermédiaire, nous fait passer voix sans voix, c'est peut-être là tout, voix sans voix, il y a tout sens là. Ok, nous simplement on voit pour sans voix. Oui, nous fait passer voix, et puis mon ami même, il décide d'aider, il voit cop pour lui, tout ça, et puis ensemble avec Francesca, nous déplacer, nous aller chercher Kai et tout ça. Et puis nous enfermer Kai là, nous payer Kai là pour lui, et puis nous emballer nos papiers, tout ça. Mais en même temps, comme si, c'est comme là, je ne sais mon nom directement, ok, mais nous n'avons pas assisté comme ça. Comme là, il ne faut pas arrêter, non, mais nous ne pas rentrer, non, mais nous n'avons pas assisté. Parce que faut que nous assister pour nous, effectivement, ça qui doit être là, c'est les mêmes qui fait. Mais là, si bien ouais, officiellement, ça a été retiré de. Monde dans la rue. Donc, on va dire de tout le monde, parce que c'est Francesca majeur, c'est Francesca avec Davidson, c'est bien ça? Exactement. Donc, après nous finissons de tirer dans la rue, par exemple, Davidson est adopté et Francesca est enfermé Kai et vous dit, mais là, nous jouons toujours une assistance économique pour nous enfermer Kai. Et bien, Davidson avec Francesca, c'est bien Bettina aussi. Bon. Bettina, vos amis Francesca, moi, c'est quoi, les gens qui ont suivi ça à Haïti, ils ont Bettina. Voilà, c'est une partie pour toi là. Exactement. Mais Kounia, et comment nous faisons suivre après? On fait un pour un an pour avec le fonds que les gens beaucoup de monde qui veulent aider. Mais pour la première année, c'est ok, tout le monde est émotion, etc. Fait, tout le monde veut bail. Mais si nous passons avec la deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, comment ça est au niveau de Savio Haïti? On dit, est-ce qu'il y a l'année prochaine, on va mettre Francesca Deo dans le côté donc parce qu'il va arriver payer. Pour ça, j'ai plaisir, piste de solution, nous avons. Pour ça, mais étant donné que si on va faire un bail qui corrige, ça fait comme si nous n'avons pas de cadre qui piste de solution exactement qui est lié ensemble avec ça. Mais jusque-là, il y a un ensemble de monde qui te voulait et qui aide Francesca pour amener ça.
nous étions en contact ensemble avec eux. Okay. Okay? Et déjà, nous avons planifié pour nous mettre un système parrainage sous pied pour Francesca, pour ensemble de monde ça regarder si au moins nous avons $20 américains pour lui. Le monde. Parce qu'il y a un peu de monde qui est de Francesca, c'est des gens qui vivent à l'étranger, ils font okay. partie de la diaspora. Okay. Okay? $20, si je dis $20 américains le mois, au moins il y a environ 10 personnes. Okay. Au moins. Donc, le mois, tout ça capable de depuis, ce n'est pas ça seulement tout. Vous avez Francesca en business. Vous avez Francesca en business, ça tout, ça on peut capable une piste de solution pour lui, pour lui, pour lui résoudre le problème de l'OTAN. Ça, c'est son deuxième, pas vrai? Mm-hmm. Et puis, il y a un monde qui voulait prendre Francesca pour avoir avec le programme Biden. Il y a un monde qui voulait prendre tout. Il dit pas jamais gagné qui dit si un an encore Francesca à plat. Et puis, dernière piste de solution qui gagne, c'est ça, vu Haïti. Ok, ça va être que nous avons 4 mois, mais on va arrêter quoi pour objectif nous fixer tête. Nous va arrêter quoi c'est comme ça, nous avons toujours été. Et c'est, nous va arrêter quoi c'est dans le même monde, nous avons toujours pris pour tout le monde, tout ça. Donc, nous avons les cas privés quand même, nous-mêmes dans le café, et c'est des bails pour tout le monde, nous-mêmes. Ok? Et moi, c'est ça pas prendre un an. Et ça veut Haïti a toujours été voix sans voyou. Exact. Voilà. Ça veut Haïti, nous pratiquement pas arrivé dans la fin émission. Donc, c'est l'occasion, si toutefois, on t'a pas bien conseil pour aller avec les jeunes qui gagnent. L'idée pour faire une initiative, tant que les gens font là, ça veut Haïti, il n'est pas facile pour les jeunes, ou pour les jeunes monde qui aident l'autre monde. Surtout dans la situation sociopolitique pays, en avion là. Côté que, plus fort monde dépressif dans le pays, il y a un problème. Donc, c'est pas ça qui a préoccupation pour le monde. Mais si quelqu'un qui a fait un bagage pour une communauté qui voulait aider, ou même je t'ai commencé à donc qui conseille à un monde pour comment vous commencer pour faire un bagage qui a utile et collectivité de manière générale. Peut-être m'a inspiré de même ça qui t'a motivé pour moi capable d'adresser conseil ensemble avec Junior. Ce qui s'est intéressé, c'est trouver une cause, charger problème dans la société, charger problème, charger péripétie. En pile monde à vivre dans la société. Donc si toutefois que vous voulez faire le journalisme utile, toutefois vous voulez utile la société, c'est jouer une cause. Prenez un problème ça, ou bien prenez dans ça au GG ou capable de côté écoute mon adal dans prendre et puis mettez le sous dos, avancez. Une bah pour qu'on ait bah yo t'es toujours dit bah yo toujours dit, on peut toujours jouer un monde qui a dit this that so. Ou capable faire même genre avec ça vu Haïti toi. Simplement dit quitter mon nom commenter, quitter mon nom faire conclusion, quitter mon nom dit tout ça avec. Et puis toi tu travailles. OK? Pas travailler pour monde. Dans ce sens tu pas travailler pour monde, pas travailler pour monde qui pas reconnaître valeur travail ou faire. OK, ou travailler de préférence pour utile société. Pas travailler pour utile société parce que soit vivre dans pays ou gain devoir en vrai pays ça. OK? Et moi même une n'ba capable dire encore moi-même qui motivé mon travail m'a fait j'aime dire dans le commencement si m'ba voyer regarder tout monde qui dans la rue connait là qui j'ai des grand monde nous capable sortir demain si m'ba voyer regarder tout monde ça qui dans la rue sous pas voyer regarder si c'est m'ba voyer regarder qui j'ai des grand monde capable sortir demain est-ce qu'on est capable vivre dans pays ça demain ou connait qui ça tout monde dans la rue ça capable sortir demain et c'est réfléchir sur ça et c'est méditer sur ça. Voilà, donc qui savent, donc j'aime dire que c'est petite Kayla, donc toujours la bienvenue dans Kayla. Donc, 24, on doit recevoir Francesca sur le projet qu'elle travaille, parce que dans les coulisses, on croit qu'elle travaille sur le projet musique, qu'on a besoin de parler de ça, peut-être dans une semaine ou bien un jour qu'elle vient. Donc, merci parce que là, c'était une invitation, ça vient. Tout plaisir, c'était pour moi, et on l'autre fois, comme des contents ensemble avec toute l'équipe. Entretien 2000 ans, c'est bien malheureux, moi, Catherine Vastikazi, là, ça y arrive, on va là. Comme ça, Léo, c'était des collègues et jusque-là, c'était mon côté dans lequel. Donc, tout plaisir pour moi, retourner encore sous plateau en petit de mélange, gentil là. Francesca travaille sur la musique dans l'aria. Mais la fin, c'est un meilleur qui fait, qui est là. Voilà, donc ça joue Haïti, c'est voix sans voyou, j'en ai toujours dit, dans la prise de position, dans la prise de parole. Avec ça, nous sommes aujourd'hui en travail que la fin de la société a. Donc, l'invite aux mêmes qui sont jeunes pour impliquer. Impliquer, c'est assurer l'avenir entourage. Malgré payant, des fois, pas par encouragement, mais on même toujours connaît que au grand redevance envers pays parce que pays en well fait et peut-être là pour grandir, pas grandir, pas pour mourir tout. Du coup, donc, c'est important pour impliquer au même genre avec Savio, avec toute équipe, fait. Donc, pas oublier tout, quand on va suivre Savio Haïti sur
toutes les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et pendant que vous avez follow votre côté, vous avez regardé les vidéos, ça, donc, quittez le poste, et puis allez sur sa vie en Haïti, et puis tout le monde regarde les vidéos, ça va aussi. Donc, émission, ça, encore une fois, le rentrer à Kayo, c'est grâce à Sébastien Petit, grâce à toute l'équipe technique Entretien 2000 ans. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour l'autre sortie de Entretien 2000. Pas oublier, toujours partager contenu. Bye bye, à la prochaine.